Torah, c'est très gavois. Ça le ramène, il dit. C'est. Etzot merachok migdol haetzah letaken haderot uliyasher kol ha'maasim. C'est le ramène. Des choses qui nous dépassent totalement. Très haut. Pas seulement dans la Nagat Hashem, les mitzvot. Quand tu dis faire une mitzvah, il y a des choses énormes qui se cachent derrière une mitzvah. On voit le maasim. On peut pas comprendre. Donc ici, Shlomo Amel, c'est qu'il a dit, ah, je peux commencer à comprendre. C'est ça le Yud dans le Midrash. J'ai marqué le Yarbel au Nashim dans Shlomo Amel. Le Yud, il est venu chez HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi ce Yud, c'est une Oktana? Oktana, ça montre qu'il n'a pas été assez Midbonen. On ne peut jamais être Midbonen dans la Torah. Adassof. Hashem Katan. Hashem est à Sagato le Ikar, Veno Mevin, Shemimena Akol, Kumoshe Abemet, Besof, Hashem et Touli. Besof, ça n'a pas marché, les femmes, ils l'ont détourné. Kakor Haneelam ou Amoshel ou Matet Levavish, Vizoit. Pardon, parce que c'est Dafkal, lorsqu'on est fait exactement comme la Torah, là, la Torah, ils ont un koach d'avoir une influence sur l'homme. Dès qu'on dévie, il n'y a plus de Zgoula sur la Mizot. Donc Shlomo Ameler, même s'il était le plus grand racham, il y a marqué l'oeil Arbel Onashim. Le Yud, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a fait, moi je Shlomo Ameler, il a été doresh le passo, il a dit, non, moi ça, c'est pas pour moi. Donc il a dévié un petit moment à son niveau, même si apparemment il a raison, apparemment il avait les forces. Mais puisqu'il a dévié de la Torah, donc les mitzvot de la Torah, elles-mêmes l'ont fait dévier. C'est un mokbeo, ce chidouche. Ça veut dire que lui, Béhémet, logiquement, il devrait être Midgaber. Il n'aurait pas eu la tête, les verbaux. Mais si la Torah, elle a dit que ça fait tourner le cœur, et que tu ne fais pas comme la Torah, elle fait, forcément, ça te fera détourner le cœur. Peu importe la gamine, qui tu es. Amen. Bezeu tochacha megula lechol ish. Le bal yekal beinav shum davar kal. Mis moussar askel. Chak timinag. Minag be'alma shel Torah, un petit minag, un petit. Oh ben, les mizazel, il fait non, ça c'est bon, moi je suis plus niveau, ça je peux être mizazel. Et fait fichichlo, yalel ish, il verbe il lavo, chez elle, lo yaziklo. Là, j'ai fait cette mitzvah, ça lui fait rien. Adaini cher Neheman, la chèvre et le Torato. Il dit comme dit le Baratani, Azem et l'arto, chez l'yetzara, l'achlik, adavar bene ish, adaini cher davouk bachem ou Torato. C'est-à-dire que moi, c'est pas, il y a deux personnes, là qui disent non, moi c'est pas pour moi. Il y en a qui disent non, moi je, même si je fais pas ce minag, ou si je fais pas cette mitzvah, ou si je fais pas ce là, je veux pas bouger. Ça me fait aucune influence à moi. Je reste d'avouk, bah, quand je m'en fous. Qu'est-ce que le pétard du Yetzara? Yedav et Askil Kojé, c'est ou pitouyo, chez la Yetzara, ou Shlomo Amelech, à la Vachelom, la Ed. Prendre Ed comme Shlomo Amelech, qu'il était sûr de 100%. Et le fait, qu'est-ce qu'il a amené? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a amené? Il faut comprendre. Et si le bonheur, c'est que, qu'est-ce qui a fait détourner le cœur de Shlomo à Meller? C'est pas parce qu'il était faible, quelque chose comme ça. Parce qu'il a dévié de la mitzvah. Et donc, quand tu dévies de la mitzvah, où il y a la mitzvah, elle t'amène une zgoula énorme de d'amener d'être matakel et ma'asim. La seule chose qui va décider ça, c'est à combien tu vas rester bédiou comme ce que la Torah dit ou pas. Tout d'abord, on peut dire qu'il est chez Moshe Rabbeinu, il est chez Metz. Il ne pouvait pas supporter le tsar du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est venu pour le Ham Israël. Donc le fait qu'il ne pouvait pas supporter le tsar du Ham Israël, Yatsa lui donne les filles à sa gâteau. Bon, il a commencé à donner selon ce qu'il comprend. C'est ça qu'il dit la Maria Ota. Alors, il a dû savoir le Dachel Ozen, Janigla Ota, Machel Kolach Lechout. Si Béhémet, la Vatam, la Shechout, c'est le Shibou, Dechoulé, raison, Kadosh Baruch Hu, il a raison. Il termina, il va rouler, il pose des questions. Mais il y a un Tam, Neilam, Meod, Shechot, Bereshit, Ametiout. Comme on a expliqué un peu la semaine dernière. Tout le lien du Shibou, de Etsiad, Mitzrayim, c'est quelque chose qui est très très haut. C'est comme, en fait, ça devient en fait comme une mitzvah de la Torah, que la source, on ne peut jamais comprendre. Impossible, personne ne peut comprendre. Ce qui est passé en Mitzrayim. Ouais. Le Ta'alir. Donc c'est impossible. Hein? C'est une mitzvah? Non, c'est pas une mitzvah. C'est comme les mitzvahs. C'est la même chose. Toutes les mitzvahs viennent d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc même tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, mais c'est impossible de comprendre. Impossible d'arriver au Ta'am. Malgré qu'on peut poser toutes les questions qu'il peut. Ce qui se passe avec mon cher Rabbeinu.
C'est ce que Dieu lui dit. Vaidaber Elohim el Moshe. Elohim, c'est Milashon Anahaga. Vayomer Elav, Ani Hashem. Yahashem, Yah Elohim. C'est deux noms. Hashem ou Elohim. Elohim, c'est Milashon Lanig. Dirige le monde. Dirige le monde, Moshe Rabbeinu vient, commence à poser des questions dirigées. Mais il a dit, Vayomer Elav, Ani Hashem. Ani Hashem, c'est ce que Dieu lui dit qui fait Mehave. Le nom d'Hashem, c'est Aya Ovevei, Mehave. Il y a quelque chose, c'est donner l'existence. C'est le nom de l'existence, Yudke Vavke. Le nom le plus haut qu'il y a. Donc, la chose la plus amouka qui peut exister, c'est l'existence du monde. Est-ce qu'on peut comprendre comment Kadosh Baruch Hu fait exister le monde? Donc, de la même manière, ça, le Pérouche, Vayomer, Vaidaber, comment se passe au Vaidaber? Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Même Elohim, même la Anahaga, on dit Hashem ou Elohim. Un des Pérouchim de Hashem ou Elohim. Même la Anahaga d'Akadosh Baruch Hu, elle est kshura au Shem Hashem. L'ishpot b'sirosh gan tzrelot kach. Yev shar shi yele shum nimtsa asaga b'anahagato. Elohim c'est la Anahaga. Vayomer elav ani Hashem. Pourquoi vayomer elav ani Hashem? Sache que Hashem c'est le nom de l'existence du monde. Il fait sache que de la même manière tu ne veux pas comprendre comment le monde a été existé. Donc tu ne veux pas comprendre comment le monde existe. Elohim, c'est diriger. Hachem, c'est l'exister. De la même manière, tu ne veux pas comprendre le fait d'exister. Il y a deux choses séparées. Il y a comment le monde a existé, après comment le monde il se dirige. Moshe Rabbeinu Gavi Achol, il y a une petite moussa de dire que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, comment veut créer le monde, ça c'est impossible. Personne ne fait Chal Yachol la vie. Mais peut-être que la Nahaga d'Akadosh Baruch Hu, on peut comprendre. Comme Shlomo Amelech, qui était Chacham Me'od, du Kol Adam, El Pnei Adama, il s'est dit peut-être que les mitzvot de la Torah, on peut comprendre, on peut commencer à être dans le Yah sur les Vavos. Sur ça, le Midrash, il vient tout de suite de Midrash Rabbah de Perasha. Ma Adam, Sheavo Achara, Melech et Hashem Kvarasao. Qui c'est qui peut venir après le roi une fois que le roi a déjà fait? Apasu Kazen et Emar, Akil, lui Midrash, Shlomo et Moshe. Dès le début de la Parasha, comment s'appelle Shlomo, Moshe Rabbeinu? Lishpot Besichlo, Kard Rabbat, la Kufazol Veda, Shebilti Evchar Ayab Ofen Acher. Ça, c'est le Pshat. Vaidaber Elokim El Moshe, Vayomer Elavani Hashem. C'est la réponse à la question de Moshe Rabbeinu. Une manière d'expliquer, ouais. Sur l'ama araota, l'ama, il pose des questions sur la naga d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va yomer elav. Va d'abord Elohim el Moshe, va yomer elav ani Hashem. Elohim anaga, Hashem etziut, il fait de la même manière que l'existence du monde, tu ne comprends pas. La naga, tu ne comprends pas aussi. C'est la même chose. La naga, c'est comme l'existence. Incompréhensible, impossible de comprendre. Le fait de etziat mitzraim, c'est quelque chose qui est meur, meur, gavo, comme des mitzvot. Donc le Midrash, il fait la comparaison entre les mitzvot et la Nahagat Hashem. C'est le Midrash Ma'adam Shiavo Achara Melech et Hashem Kvar Asav. Ensuite, il y a les Arba Leshonot de Geoula. On voit encore un autre qui est ici. Votseti Vissalti et la Karti. Hein? Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant. Ici, le Shemesh Molipot, c'est ça ici. Mais la carte est très mli le âme. Oui. Mais la carte est très mli le âme. Et ça, c'est bizarre parce que âme, à chaque fois, on connaît le clal. Âme, c'est ami. Le clal, à chaque fois, il y a marqué ami, c'est mon peuple à moi. Et chaque fois, il y a marqué âme, c'est une chose qu'on a mis Israël, il est bas. Je crois dans les psukim. Shalach et ami, veyavduni, shalach et ami, v'cholé. Et à chaque fois, marqué am, ça kavana. Et bas, la chaune bas. Il les a pris quand on était bas, sorti d'Egypte, on était 49e de l'impureté. Il a fait, ça c'est sorti d'Egypte. Mais Velakarti, le pshat de Velakarti, c'est pas Yitzhak Mitzrayim, c'est Matan Torah. Matan Torah. Donc là, c'est pas matif de dire am. Là, on est au top. Bien sûr, au summum. Donc comment ça se fait que dans Matan Torah, on emploie, on dit la chaîne Am. Veotseti, ouais, comment ça marquait? Ve la carte est très venue. Veotseti est très mitachat sivlot mitzraim. Veitzelti est très maavodatam. Ve gaalti est très mitzvah netuya. Ve la carte. Ve la carte, c'est matan Torah. La chaîne, le kicha, kidushin.
Ouais, la Torah, c'est comme Kiddushin. Donc, on dit Am. Am, c'est la Shon Gnaï. Am, c'est la Shon Gnaï. Kachem Vassalam, Kabbalah, Torah, la Makar, la Shon Gnaï. Alors, il dit au nom de son père, Avdenezer, une réponse. Il dit Am, c'est Milashon Gechalim, Omemot. Dans la Gemara. C'est quoi Gechalim, Omemot? C'est des braises qui sont déjà kemat éteintes. Vouyot. Arazim lo amemou. Il dit pareil. Le chidouche ici, c'est quoi? C'est même lorsque le Ham Israël est dans une petite madriga éteint, ça veut dire katnout amochin, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il est pas allumé, quoi, il est un peu éteint, endormi. Vitit la avout eshdat. Mikol makom yu nirtzim u maasem yasu shoresh le mata u pri le mala. Si on parle de la Torah de Mitzvot, ne crois pas que le lien de la Torah avec Kadosh Baruch Hu et l'Am Israël, c'est que lorsque l'Am Israël est en effervescence et accompli les mitzvot, comme je t'ai dit, Khadassof. Même lorsque le niveau du Am Israël est très bas, quand même les mitzvot, Kadosh Baruch Hu, il prend en considération des mitzvot et des maasim tovim. Donc ça, puis je fais la carte, est très mli, les Am. Am, ici Am, c'est-à-dire c'est la chaîne en mémoire, c'est comme une braise qui est éteinte, qui est matée éteinte. Même si le Am Israël, il est bas, ils font des Torah, ils font des mitzvot. C'est Meshem Chashuv Yéné à Kadosh Baruch Hu. C'est un Messer que Kadosh Baruch Hu veut dire par là, Vela Karti et Trem Lileam. Le lien entre Kadosh Baruch Hu et la Mishkal pendant la Torah, c'est pas seulement si on est Adasof bien dans la Torah. Baruch, que ça a des influences Tertobot. Mais le Kesher entre Kadosh Baruch Hu et la Mishkal, c'est peu importe du niveau de la Mishkal. Et même si on est très bas et qu'on fait un masse de mitzvot, zéro les marres là. On ne veut pas dire que cette mitzvah, elle compte. D'après si t'es bien et si t'es un tzadik et si t'es. Non. Chaque masse de mitzvot, c'est relégué à vous, les mâles. Comme ça, le ramener les érides. Maintenant, la question, elle est bisroutma. D'accord? Et puis, pourquoi on parle maintenant de ça dans le Velakarti, qu'on parle du Mahamad Arsinaï? Ça veut dire qu'il y a un lien avec le Mahamad Arsinaï, parce que Velakarti, ça parle même du Mahamad Arsinaï. Donc, pourquoi on émet Ramez? Pourquoi on fait ce Remez-là lorsqu'on parle du Mahamad Arsinaï? Ça répond pas sauf à la question. C'est vrai qu'on donne un beau Remez, que Velakarti est très mille âmes, pour dire que même si t'es âme, le mitzvot, ils ont un poids, ils ont une force, à quoi je beaucoup considère les mitzvot. Mais pourquoi on fait ce remèze-là lorsqu'on commence à parler, Michal, du Matan Torah? C'est l'inchma, peut-être, du fait que là, c'est l'inchma. C'est-à-dire alors comment... c'est une très très grande force. Ça leur donne une confiance absolue en Dieu, même si dans la pratique, etc., même s'ils ne sont pas encore au point derrière, ils ont déjà l'intention, quoi. L'intention, elle vaut comme la mitzvah, quoi. En effet. Il dit comme ça. Il dit Israël, il dit un peu comme ça, le Shemeshma. L'Israël, Zachou, Lézé, Shéonir, Tzim et Maasem. Ça, en fait, c'est Mida, Keneged, Mida. Dans le Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a eu? Naasem et Nishma. Après, Naasem et Nishma, ça veut dire qu'ils ont laissé tomber tout le Sechel, et ils ont fait, comme qu'on Naasem. Naasem et Nishma. Pirchou, Basfarim, Akdoshim, Shelo, Yamtino, Alora, Ta Sechel. On n'attend pas de savoir ce que le Sechel dit. Mais Atsam, Yonim, Shachim, Achamam, Atim, Itbarach. Misez yavou la vida d'avoir besichlam, chez minaase yavou le nishma. D'abord on fait, on pose pas de questions. Alken zachou shegam, non il dit comme ça, naase yavou le nishma. Donc pendant mida keneged mida, si ils sont prêts à faire une action sans comprendre, c'est-à-dire sans blisechel, donc mida keneged mida zachou shegam a maase blika vanata sechel yé kodesh yé asepri le mala. Mida keneged mida. S'ils sont prêts à agir sans comprendre, c'est quoi être prêt à agir sans comprendre? Prêt à agir après Ranavin. Donc on est prêt à agir sans comprendre. Donc on voit qu'il y a un acte sans Sechel. C'est ça ce qu'ils ont fait, le Ham Israël. Mida keneged mida, même quand ils sont de Matzav très bas, et qu'ils agiront. Donc, mais là, sans Sechel, ici, c'est pas la même chose. Sans Sechel, ici, ça veut dire qu'ils ont pas, sont pas dans la Madriga, ils sont éteints, ils sont pas. Quand même, ça marche. Parce qu'ils étaient prêts à accepter une action de mitzvah sans comprendre. Donc s'ils sont prêts à enlever le sechel, et à dire naase avant nishma, mida keneged mida kadosh baruch hu fait ça, c'est ce goût-là que Dieu a à Israël. Donc maintenant, même si vous allez dans un matzav où il n'y a pas de sechel, où il n'y a pas du tout, mais asaga, rien du tout, matzav très bas, quand même, le maase, il est fort. Le maase des mitzvot qu'on fait, il est fort. Mais quoi, choto naase, qu'on a dit naase avant nishma. T'as compris? Non? La question c'est de savoir pourquoi au moment de la pourquoi au moment du Matan Torah il fait la carte lit les âmes il a fait. En disant les âmes ils sont une darga inférieure que quand il dit
Alors ici le ham, en effet, c'est la Mais réponse, elle est que le remez, il est... alors techniquement, normalement, à partir du moment, enfin, quand ils reçoivent la Torah, quand ils amènent la Torah, ils sont plus à cette, ils sont plus à la darga de bas. Il a fait. Ça c'est la question qu'on a demandé. Il a fait. Fini. Donc pourquoi il dit alors Naase Venishma? C'est pas une question de Naase Venishma. De toute façon, la question elle reste. Ils sont toujours plus bas. Ils sont remontés. Ils ont remonté de darga le peuple. Donc la question elle reste. Pourquoi c'est toujours les âmes? Il a fait. Alors, quand il veut la carte et tramer les âmes, il faut voir c'est vous élargir. C'est pas seulement à Kadosh Baruch Hu qui dit quand il veut la carte et tramer les âmes, ça veut dire que vous allez toujours maintenant un peuple, d'accord? Par l'intermédiaire de la Torah. Parce que Vélakarti, c'est le Mahamad, c'est le Mahamad, c'est la Torah. Lorsqu'on vient te dire maintenant que le Ham Israël, il sera toujours Kachouré avec Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de la Torah, on veut te faire le remez d'Afka là-bas, peu importe le Matzav du Ham Israël. Ouais, c'est on veut te faire un remez que peu importe. Même si un jour vous descendez, même si. Bah, vous serez toujours. Même parce si que. Ah, où est le pacte? Tu sais quoi, quand on a commencé à parler du Mahamad Arsinaï. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, il va voir Mahamad Arsinaï. C'est là le débat. Vous savez tout le temps. La question elle est pourquoi on aimait ramener ça dans le Mahamad Arsinaï. La réponse elle est que ça ce qu'on a reçu c'est parce que ça vient de notre madriga très haute qu'on a eu au Mahamad Arsinaï. Et c'est quoi? Le Naase Venishma. T'es prêt à faire, hein? C'est un tout à vote en gros. Grâce au voilà. On restera même si on reste bas. Bédiouk. Pas seulement le Matzav du Ham Israël tel qu'il était là-bas, la Inyan de Naase Venishma. T'es prêt à faire un acte sans comprendre? Donc maintenant, même toi, quand tu vas faire des actes par la suite sans comprendre, tu vas toujours être caché avec quelqu'un de Jbor. Et ça. Mais l'acte qu'ils ont fait sans comprendre, c'est après. C'est après le. C'est une autre chose. Ouais, c'est un massé qu'ils ont. C'est après tout le Shibou de Mitzrayim, mais ils ont quand même. Comment ils ont pu avoir des Srouyot? Sur quoi? Sur quelque chose qui est. Qui va être fait dans le futur. Comment c'est possible? Le srout qu'on a du Ham Israël, c'est des Charles Dorot. Ce srout là de Mahamad Arsinaï qu'on a dit dans Seven Ishma, ça montre, c'est un srout qui est mal accueilli à Ham Israël. Ça c'est pour après, après avoir reçu la Torah. Mm-hmm. Mais avant, comment ils ont eu le srout justement de s'en sortir? Pour arriver à Mahamad Arsinaï, ouais. Il y a eu tous les 49 jours, il y a eu tous les. La Avoda sur Smith, les 49 jours depuis la Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est la Sgoula du Mahamad Arsinaï. Maintenant, ici, il explique qu'il m'a renvoyé d'Azara d'après ça. Il est à dire de la voix, Kadosh Baruch Hu, venant à Sefer Torah, il dit, Misha Asakba, Yavo Veitol Sraro. Celui qui a étudié la Torah, il Kabel Sacha. Tout de suite, le Umata Olam, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils disent? Et nous? Ménage, nous aussi. On a fait des ponts. Ah, Marlem, Kadosh Baruch Hu, mais il a Saktem, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Mechetzaot asinu, arbe kesef et ça, kulam lo asinu, il a bishvil Israël, tout ça on a fait pour les juifs. Kedeshit askuba Torah. Amar la Kadosh Baruch Hu, c'est la réponse du Shotim Sheba Olam. Shotim. Kol ma she asitem, le tzorech atzmechem asitem. Stupide. Ce que vous avez fait, c'est pour vous, c'est pas pour l'homme Israël. Kedeshvakim lo shimem zonod, mechetzaot la aden baem atzmechem, kesef et ça, shelu, shenemar liya kesef, neum Hashem. Kloum yeshbachem magit zot. Est-ce que vous avez la Torah, comme ça, le Midrash Shimon? Chez nous, Ami Barim Ekidon, Venzot et la Torah? Venzot, la Torah, Shaksa Moshe? Question bizarre. Midrash Shimon, est-ce que vous avez la Torah? Miyad Yatsoube Pache Nefesh? Yatsa Romi, Nichensa Paras, Kaka Koluma Veuma. Comme ça, le Midrash. Il y a plusieurs questions ici. L'a-t-il la voix, savoir que c'est Olam Haemet? Il n'y a pas de Sheker. Il y a les Kvara Haemet, on ne va pas commencer à Sheker. Donc, même les Umota Olam, ils vont voir le Haemet. Comment ils peuvent dire une Tahana Kadot Shikrit qu'on a fait ça pour le Ham Israël? Rapidement. Mais attends, le mâche coulam l'ancien Abiju d'Israël qui est chez Taskouba Torah. Et mi, à Kadosh Borchu, va être maté, et d'être à l'oumotlev, et d'abrim. Et même shooting mourim kolkar. Donc, plus forte raison, la Hatid. Ou l'idgalé à Emet. C'est Varlo, Sheker et Alem, Richard Koula qui a Hachantirle. Comment ils peuvent venir avec une Tahana comme ça de dire que tout ce qu'on a fait, c'est pour le Ham Israël? Et c'est quoi la tchouva Kadosh Baruch Hu a dit, est-ce que vous avez la Torah? Ah putain, depuis quand les Umot HaOlam doivent avoir la Torah? Qu'est-ce qu'il veut leur dire par là? Kloum lachem, yesh magid zot, rodei beomo kol ma shasitem, netzorech atzmechem asitem. Kadosh Baruch Hu leur répond, vous avez fait, c'est pour vous, c'est pas pour l'Am Israël. C'est quoi cette question de dire, est-ce que vous avez la Torah? Ma pirouche, je veux dire. Emlo amrouklal shel amdu Torah. Ils ont pas dit qu'ils ont étudié la Torah pour dire que vous, est-ce que vous avez la Torah? Sur quel rapport est-ce que vous avez la Torah? Depuis quand les Umot HaOlam doivent avoir la Torah?
Milashon baz mashma de ilu aya ben magid ot ayot tzotkim. Quand il dit est-ce que vous avez la Torah, mashma, déduction du Midrash, que si vous avez la Torah, hein, vous avez raison. Ouais, c'est quoi le vikouar? Est-ce que vous avez, ils viennent, ils disent, on a fait pour l'Am Israël, je vous ai fait Shotim, vous avez fait ça pour vous. Est-ce que vous avez la Torah? Quel rapport maintenant? Est-ce que vous avez la Torah? C'est-à-dire que si vous avez la Torah, hein, alors ce que vous dites, c'est possible. Comme ça, c'est machin du Midrash. Quel rapport depuis quand on monte dans l'âme d'avoir la Torah? Donc il y a deux questions dans le Midrash. Première chose, comment Bichal et Umot Aolam, les Atit Lavo, ben Olam et Emet, ils peuvent oser être Meshakrim? Et deuxième chose, que ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, est-ce que vous avez la Torah? C'est deux choses à comprendre dans le Midrash. Il y a le pitch Machamru, Chazal, et il y a la Nafal Sela Micheko. Quelqu'un, il a une pièce qui est tombée de sa poche. Non, mais. Umetz Awani, un pauvre, il a trouvé cette pièce. Il dit Parnes. Midbarech Alea. Il reçoit un schout sur ça, le fait qu'une pièce est tombée de sa poche et qu'il y a un nid. Nidouim divrei Rambam, shekolit askut haolam, ou avou yere shamaim echad, ve kama shanim itrechou livnot, comme ça le Rambam il dit, il dit livnot ve lintoa, ve akol kede shebe echad hayamim yavor yere shamaim echad de otomakon ve imtsovo manoir. Il dit que, tout ce que toutes les choses qu'ils ont mis dans le monde, quelqu'un fait un beau palais, ou qu'il fait quelque chose de nifla, une belle route et tout, c'est tout. Le but, c'est pour qu'il y ait quelqu'un de Yere Shamaim Vetzadik Echad qui passe par là-bas, ça c'est le but. Le but abiti de Barolam, comme c'est le Rambam. Kenzoï Ta'ana Ta'omot. Qu'est-ce qu'il veut dire les Ta'ana Ta'omot? C'est leur Ta'ana. C'est pas qu'ils veulent dire on a fait, le Omot Ta'olam dans le Midrash, c'est pas qu'ils disent quand on a fait cette chose-là, on a eu la Kavana de faire ça pour le Ram Israël. Non. Et ils viennent après coup, et ils voient maintenant la grosse, on est là Omot Ta'olam, la Khalatid Lavo, on voit la Mahala du Ram Israël, la Enekulam. Donc ils veulent dire. Lo asinu ela bishvil Israël. Sauf, à Kavana, c'est pas que le pshat du Midrash, c'est pas qu'on a fait, parce qu'ils peuvent pas mentir. C'est que maintenant ils voient la mahala du Ham Israël. Et donc ils disent, ah, le but final de tout ça, sauf, c'est pour la grandeur du Ham Israël qui s'est dévoilé, il y a un but final à ça. Donc ils viennent nous dire, voilà, maintenant, au moins on va recevoir un sakhar comme ce Hani, là, comme celui qui a une pièce qui est tombée. Bah, sauf le Hani, il a récupéré cette pièce, on dit mitbarech. Donc eux aussi, ils veulent avoir une bracha, ils veulent avoir un srout. Que ça, sauf que tout ce qu'ils ont fait, l'âme Israël y profite. Ouais. C'est ça. Mais ils disent, on va un sachar. Ça, le pirouche. C'est un concert, ça. Il y a fait, c'est ce qu'ils demandent. Mais même si c'est inconscient, même dans le goy, même dans la pièce, c'est inconscient. Et pourtant, on est mis de barrière. On attendait. Si le petit qui a pas eu la pièce, ouais. Il avait frappé le pauvre avant. Il avait quoi? Il l'a piqué au pauvre. Le mec qui trouvait la pièce, il avait frappé le pauvre. Pour lui piquer sa pièce. Il avait pris dans les pièces, il peut voir un safran, tout ça. Ils sont marrants, les goïmes. Ouais. En tout cas, c'est pas du shaker, en tout cas. Déjà, tu comprends leur ta'ana. C'est pas leur ta'ana qu'ils ont eu la kavana. La kavana, il n'y a pas eu. Après coup, ils vont avoir quand même un scout. Ça a servi. Ils ont raison. Tu sais quoi, après coup? Après ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils doivent recevoir. Hein. Ce truc de droit, c'est nous servir. Hein? C'est le seul truc qui m'envoie. C'est enregistré. C'est Michael Jouet déjà. C'est le seul truc qui m'envoie. Après coup, c'est-à-dire qu'après on va demander un scout. Mais même le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu cette kavana. Même si on va dire qu'après coup, tout le monde est né, ils n'ont pas eu la kavana. Le gars même, hein? Le gars même, enam kol kach tipshim la'atot takadosh b'chol ma shekivnu avur Israël. Et la shita hanatam, sauf kol ma shasu b'shvi shita esku Israël b'Torah, qui est vraiment. Ouais, mais en même temps, ils occultent le fait que la Torah, quand elle dit qu'un homme perd une pièce et qu'un pauvre il la récupère, il est mis de barrière. Il a fait. Ils c'est une raya, le fait. Non, ils occultent le fait que techniquement, un Yehudi, quand il va perdre une pièce, il dit qu'Apara, il dit, mais celui qui l'a, tant mieux pour lui. Dans sa tête, il fait comme ça. Mmh. Cette logique, pensée, elle est bonne. Elle est bonne et donc il est mis de barrière. Mais eux, ils sont pas comme ça, donc ils peuvent pas l'être. Ah, c'est la question. Pourquoi ils ont pas raison? C'est ce qui termine, regarde, tu vas voir. Azé, Shiva, Makadosh, Baruchu, Shotim, Shibon. Rappelez-vous les deux questions qu'on a demandées sur le Midrash. Première question, on a dit quoi? Ils sont fous de mentir? Rappelez? Ouais. Deuxième question, qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruchu? Vous n'avez pas la Torah. Vous avez la Torah. Vous n'avez pas la Torah. Vous pouvez penser comme la Torah. Vous n'avez pas la Torah. C'est ça, le Shotim chez Baolam. Shoté ou chez. C'est quoi Shoté? Pourquoi il a répondu Shotim chez Baolam? Et nous, d'Alavdil d'Avar, mais d'Avar. Chez Benem, à Kol Chavé. Non, c'est pas Shoté.
Klum yesh bachem magid zot. Quand Hashem Baruch Hu leur donne, on a demandé tout à l'heure, on a dit, machma que s'ils avaient la Torah, ils ont raison. La raison, c'est que s'ils avaient la Torah, ils peuvent être tohen, cette âne. De midazo le kabel sachar amaase. Ça veut dire comme ça, c'est l'idée qu'on a dit au début. D'avoir un srout, un sachar, sur un acte que tu fais, sans sechel, sans kavana, c'est qui a eu ce privilège? C'est que l'âme Israël, qui a reçu la Torah. Hein. Parce qu'ils ont dit, là, c'est Vénishma. Avli kavana kmo shenafal selam yecheko. Sur cette halakha de nafal selam yecheko, c'est cher que chez l'âme Israël. Parce que l'âme Israël, ils sont chayar. Même si tu fais ce qu'on a dit, vire kartiot ramli leam. Même s'ils font une action sans sechel, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'ils étaient prêts à avoir à mekabel sur eux toutes les actions, même sans sechel. Donc c'est ce goût-là du âme Israël. Quand je vous fais, vous avez la Torah? C'est ça, comme on a expliqué. Toujours, même si vous n'avez pas le sechel, même si vous n'êtes pas comme un Donc pour eux, cette anaga là de action sans sechel, ça marche pas. Donc ils peuvent pas venir betana à Chakar, de dire après coup, l'âme Israël y profite, on veut un Sachar. Non, quand il n'y a pas eu de Kavana, il n'y a pas de Sachar. C'est ça le lien entre l'âme Israël et le... cette Zgoula là avec la carte très belle. Donc c'est marqué Am. C'est pour ça qu'on aimait Ramez Am et la chaîne bas dans le Torah Mitzvot. Peu importe, toujours l'âme Israël, ils ont une force et un Kohar à son... Ça c'est Shem Ishmoel. Maintenant on voit encore un autre qui est intéressant. D'ailleurs, fait mieux dans le maca de Barad. Ketseti et Aïr et Fros et Kapi et Lachem. La Barad, c'est la dernière maca qu'on a dans cette paracha. Hein. Il y a fait beaucoup de bruit, celle-là. Il y a beaucoup de macotes qui ont fait du bruit. C'est par Deim. Il y a marqué là, Vaïtzak. Moi, je suis revenu, il a besoin de Tzak et Lachem parce qu'il y a l'école des Tzpardeim. Il y avait le bruit là-bas. On ne comprenait pas. Getseti et Aïr et Fros et Kapi et Lachem. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, il va chez Paro et il dit Makat Barad. Makat Barad, il faut que je sois mis de palais de la Kadosh Baruch Hu et le Barad va s'arrêter. Getseti et Aïr et Fros et Kapi et Lachem. Akolot Yachdeloun ve Abarad lo Yehod. C'est-à-dire que je sors de la ville et je suis mis de palais de la Kadosh Baruch Hu qu'il arrête le. Makat Barad. Rashi, il explique. Moshe. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ketseti et Aïr. Et, mais la chan et, c'est mine. Et, il y a plusieurs. Et, ça peut être avec. Rashi, il explique. C'est quoi Ketseti et Aïr? Et Aïr, c'est bizarre. Rashi, il explique, c'est mine Aïr. De la ville. Aval Betoch Aïr, pourquoi? Vous ne pouvez pas faire la tfila dans la ville. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas faire la tefila dans la ville? Et Fisha, Itam, Elea, Gilulim. Il y a plein d'Avodah Zara. Donc, s'il y a plein d'Avodah Zara dans la ville, il ne peut pas faire tefila. Il ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu d'arrêter la maca de Barat. Jusqu'à présent, comment tu as fait? Hein? Jusqu'à présent. Kazak, si tu poses la question, j'attendais que vous posiez la question. La maca de Tzfardea, mon Tzfardea est marqué Vaïtse Moshe Ve'aaron Me'im Paro. Vaïtsak Moshe. Vaïtsak, ouais, on a dit alors Vaïtsak parce qu'en plus, il était dans la ville et tout le Tzfardea est roulé. On voit que Makat Sfardeak aussi il a été mis de palel. Makat Arov, Vayomer Moshe, Ina Nochi Yotse Meimecha, Meimecha sur deux chez toi, je sors deux chez toi. Vayetar Ti El Hashem, Makat Arbe, Vayetse Meim Paro, Vayetar El Hashem. Machma qu'il était dans la ville. Donc, question elle est pourquoi dans Makat Barad, il a besoin de dire Ketseti Minair pour être mis de palel. Et si tu veux dire que la raison que c'est qu'il y a d'Avodah Zara et qu'il ne peut pas être mis de palel, alors Makara Maevdel la Tfila sur Makat Barad et Maevdel la Tfila sur toutes les autres Makot. Par rapport au mot Ket. Oh. Par rapport au mot. Quel mot? Quel Ket? Ketseti, c'est Ket, comme je suis sorti. Ketseti, tu veux dire? Avec un kouf. Ketseti est Aïr. Ketseti. Ah, c'est un kaf. Un kaf. Ouais. Ketseti mina yirashi, te dit, il faut rach. Mais toi, chayer loet palel, fijaita mila gilulim. Non, mais ma, les autres makot. Ma, pshat. Il dit encore une autre chose dans Makat Barat. Dans Makat Barat, il marqué nete et yadecha à la shamaim. Il y a une autre maka aussi, où il y a marqué nete et yadecha à la shamaim, dans Choshech. Son Rashi l'explique différemment. Dans nete yadecha à la shamaim, Rashi l'explique midrash agada. Dans Makat.
Dans ma quatre parades, il d'abord il dit un pshat et après il ramène le midrash. Vous irez. ויאמר השם אל משה נטה את ידיך על השמיים ויהי ברד בכל ארץ מצרים. כ"ב על השמיים לצד, זה כמו שהוא על, לא על לי ביזר. נטה ידיך, הוא נורא דיר, לשמיים, על אוצי, הראשי הספיק, לצד השמיים, עבוד החוק. מדרש אגדה, שקורא לכלל גיק, ראשי כבר יומן המדרש, הוא הספיק אלו פשט, זה פרק ט' פסוק כ"ב. הגביהו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן השמיים. כמובן זה רוחני, דוסר. הגביהו למעלה מן השמיים. מה זה הדבר הזה? כיסקי הספציאל במכת ברד, כפי את מגביה אותו מן השמיים. ראשי לפה הספיק יסד במכת חושך. בחושך עושי המכה, הגביהו, נטה את ידיך על השמיים, ראשי לפה הספיק אליו, הגביהו מעל השמיים. ברד? Ouais. Bon, quelque chose de spécial dans ma carte Barad. Le feu et l'eau ensemble, donc ça fait quelque chose de chadash. Et alors c'est pour ça qu'il a pris dessus. Pourquoi il a besoin de mettre Me'al HaShamayim? Tous les Makot, c'est des varim niflaïm, mais pourquoi on a besoin de mettre Me'al HaShamayim? Qu'est-ce qu'il veut racheter ici en disant Gbiroto Me'al HaShamayim? C'est quelque chose qui n'a pas été créé, alors c'est haute, c'est au-dessus. Plein de choses. Tout a été créé. Dans les Makot, ça n'a pas été créé avant. Dans les Makot, c'est pas une nouvelle création. Le Makot, le but des Makot, c'est de montrer que Dieu est cholé dans tous les sodot qui est Baolam. De chambouler tout l'ordre du monde. Il n'y a pas eu de quelque chose de Khadash. Il n'y a pas eu une. Ça a été Be'otzma. Mais il n'y a pas eu une. Arbe, c'est venu. On a dit Loa Yarbe Kemoto Bechol Olam. Personne n'a jamais eu de Arbe comme ça. L'existence du feu et de l'eau ensemble, c'est quelque chose de Khadash. Ça n'a jamais existé. Ah. C'est ça que. Bilboula et Sodot. Voilà, il a fait. Bilboula et Sodot. Existé, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, tu vois. Ma 4 barades, c'est un peu dans le Kivun qui parle. Ma 4 barades, ve'esh mitlakacha betocha barad. C'est-à-dire, il y avait les Sod du Esh et les Sod de l'eau. C'est deux choses qui sont contradictoires, les gammes. Rachid explique Nes betoch Nes. Ha'esh va barad mouravim va barad maimu. Donc, quand il y a le feu, l'eau, il doit éteindre le feu. Et le feu, il doit faire fondre l'eau au moins. Pas, au moins, les choses qui sont barades, qui sont conduites, il doit faire fondre. Là, les deux, ils restent ensemble. La sot retson konam. Hein? Ça reste gelé. Un, ça reste gelé et l'autre, ça n'éteint pas. Il dit la sot retson konam asu shalom benem. Comment c'est possible une chose pareille? De prendre des choses sur le gars, il dit Ophir, le plus gros, j'explique que Shemish Moël, Ophir, Kouach Elion, Shoule Mala, Mitralkout Eshumaim, Vayou Mitbatlim, Mimachloktam. Eshumaim, c'est toujours une machloquette. Pour pouvoir faire le shalom entre deux Yesodot qui sont machloquettes, il faut arriver à un endroit très haut, qui est la source de tout, et à la source, on sait que tout est Meouchad. À la base de toute la prière, tout est réuni. Donc il faut monter à un endroit qui est très haut, et cet endroit qui est trop haut, il va faire le lien, le shalom entre deux choses qui sont Menougadim. Shamaim, en quoi c'est fait le ciel? Eshumaim. Eshumaim, Tuchim Zebeze. Donc on voit déjà que dans le Shamaim, il y a cette mitzvah de Shalom entre Eshumaim, pour créer le soleil. Shemir Alem, et comment ça vient? Ça vient forcément au-dessus d'eux. Mais à la Shamaim, il y a un Or, Meyuchad, un Kouach Elion, qui fait que c'est Meachet Kouach Shamaim. שמאיר עליהם אור גדול עליון למעלה מיכלל גדול השמיים עד שאש ומים מתבטלים אליו לדוק מאלה פסקי סן כוח עליון לאש ומים יסו מתבטלים כאן נעריבו כוח לשמיים מסו בג'ית את חוד סויצה על כן הם יכולים לדור בכפה אחת זאת היסטור דה שלום כמו את אש ומים זה אקזיס תוג'ור לא נבריאה לא שמיים כי יפה דה אש ומים פוקס העריב יפוקי אין כוח עוד סוידו כאילו דן להנהגה לקדוש ברוך הוא כאילו יפה ספניר עוסם Pirège n'était yadecha à la shamaim. Maintenant, il va falloir faire ça en dessous du ciel. Une metziout qui est encore pareil comme le shamaim. Donc, il faut éveiller ce koar qui est lion meod au-dessus du ciel. C'est ça le midrash qui dit. N'était yadecha à la shamaim. Rashi dit midrash agada. Igbia le ma'ala mina shamaim. C'est-à-dire, tu veux éveiller ce koar là qui fait naître le ciel, et dans le ciel il y a ce shalom là entre eux et entre l'eau et le feu, il faut éveiller ce koach là. Hashamayim eshumayim mitbatlim elav. Umuvan shu lemala min hashamayim. C'est pour ça que je vous dis le barla min hashamayim. Kedesh shiorid hamaka misham. Éveiller ce koach là pour pouvoir donner la maka de barad où il y a aussi un shalom entre eshumayim.
Makat Rocher, il n'y a pas eu ce Inyan, les autres Makot, de lever un Kohar tellement Elyon. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin d'expliquer comme ça. Maintenant, la Tfila, il faut prendre. Il y en a la Kha qui dit, est-ce qu'on a le droit d'être Mitpalel dans un krach où il y a des Avodazara? Non, on a le droit. On a le droit. Non, mais à Kevet, il a un fourrage. Tsoa même. On a le droit. On a le droit de prier. On a le droit de prier en face de l'Avodazara, mais dans une ville où il y a de l'Avodazara. Parce qu'il y a une Mechitsa. Il y a une Mechitsa. Il y a Machane Chakadosh. Il y a même quelque chose comme Tsoa. Il a la Kha, tu mettais Mechassé. Nigmar, tu peux prier même dans une pièce où il y a une Tsoa. Si tu es Mechassé. Il y a Machane Chakadosh. Dis le Machane. Tu recouvres, c'est fini. Nigmar. Donc moi, putain, que pourquoi il faut sortir de la ville alors? Arrête nous chouim ben amim ouvda avodazara dans tout le galut. On a dit goyim qui ont des avodazara dans la ville. On n'a jamais vu qu'il faut une bekneset en dehors de la ville parce qu'il y a des avodazara dans la ville. Il a Shlomo Amelach il dit: et shavu shuvim elera tzev rochoka et chanenu elecha vitpalelu alecha derech arzam. Dit Shlomo Amelach. De leur tum'a et de leur eretz amim, ils te font une fila là-bas. Donc il n'y a aucun problème il chati bichal de faire une fila dans un endroit où il y a de la avodazara. Ça m'a expliqué comme ça. Puisque, Hachem Ishmael explique d'après ce qu'on vient d'expliquer, puisque Makat Barad, on doit élever Me'al HaShamaim, quelque chose de Me'od Me'od Gavoa, pour pouvoir qu'il y ait une existence de Esh Umaim Be'achad. Akele Salek Zoha Makat Sech Lagiat Filato Kol Kach Lema'ala Mikol HaFachim. Donc ça, il faut éveiller. Pour faire une fila comme ça, il faut une fila qui est très haut, un endroit qui est Me'od Gavoa. Sur ça, Mitzad Alakha, il n'y a pas de problème de prier dans une. Il n'y a aucun problème. Seulement pour faire une fila meyouchedet, éveillée à un niveau qui est tellement haut, sur ça il faut une fila meyouchedet. Sur ça tu es obligé de sortir. Sur ça c'est mézik. Même une avodazara qui a pris une mechissa, pour une fila qui est tellement haute, lève une fila nickel. C'est valable pour Moshe Rabbeinu, c'est pas valable pour des gens comme les Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui avait une fila spéciale pour parler avec Akadosh Baruch. Oui, mais ici c'est pas seulement Moshe Rabbeinu, c'est la tfila, le besoin. Voilà. Ici on a besoin d'éveiller un koach énorme pour Makat Barad, qui est Me'al HaShamaim, comme on a expliqué. Pour ça, la avodazara et les mezika. Pour les autres makot, où c'est pas tellement un koach élion qu'il faut éveiller, même s'il est mitrelel dans la vie, c'est pas Me'akev. Makat Sfardea, c'est pas Me'akev. Makat Rocher, c'est pas Zelonora. Parce que la tfila, elle marche. Seulement éveiller un koach élion méod, qui donne, fait le shalom entre Esh ou Maïm et Yachad, sur ça, on est obligé de sortir. Pareil, il dit Shem Yishmoel, « Achodesh hazé lachem rosh chodashim » Ouais, c'est cette paracha-là, de parachat Achodesh qu'on y a donné. Il dit, elle n'était pas l'Eretz Mitzrayim. C'est pas en betoch Eretz Mitzrayim. Et là, dibou chamok, pour qu'il dit pareil, « Lo betoch hakrach, ki mipnei shi lachem shaya b'Eretz Mitzrayim, mais lo betoch hakrach, mipnei shi me'lea gilulim » Dibourg, pareil, un dibourg de Akhodesh Azel Achem Rosh Chodashim, c'est ça qui a amené le Koach Itrachou dans l'âme Israël. Ça aussi, ça vient de Mekor Achaim Elav Israël. Sh'ar Atfilot, donc cette fila-là de Akhodesh Azel Achem Rosh Chodashim, c'est ça qui va éveiller tout le Koach Mechadesh sous l'âme Israël. Lev Taor Beral Elohim, Ruach Nachon Chadesh Bekirbi. Pour être Mechadesh, un Koach Kazé Elion, ça vient aussi d'un Makom Meod Gavoa. Et donc, c'était aussi en dehors de la ville. C'est deux parachiot. Barad. Pour ramener la Makat Barad, pour ramener un Koach Elyon pour faire cette Makala, et Parashat HaChodesh. Toutes les autres choses, Shart Filot, Filat Moshe Bemakot Tzvardei, Maro Varbe, il n'y avait pas tellement ce Inyan d'éveiller tellement Gavoa, c'est l'Omézik qui peut faire la Tfila dans la ville. Ça, c'est l'explication pourquoi Davka dans Makat Barad, il doit. Pour résumer, il faut sortir parce que comme c'est Gavoa. Comme c'est une Fila, mais Yuched et Meod, il faut éveiller un Koach Elyon, mais à la Shamaim, pourquoi mais à la Shamaim? Parce que le Shamaim, le ciel, il est fabriqué de Esh Umaim. Donc, il faut sortir de la ville pour ça. Ça, il faut sortir de la ville. Sur ça, la Tfila, ça a un impact. Le fait qu'il y ait une avodazara dans la ville, ça peut avoir une influence sur la Tfila et la Tfila ne peut pas être. C'est un avant, quand je dis Jacquat et un autre, tu veux le faire en dehors de la ville. Ah, c'est notable. C'est un avant. Ouais, ça, c'est Alpi Kabbalah, que les Neshamot, ils sont plus Midgalgelot en dehors de la ville que dans la ville. Ah, et Beïka. Ouais, ça l'entame. Parce que c'est pas une ville, c'est pas une question de Avodazara là. C'est pas une question d'Avodazara dans le. Ouais, ça vient de. C'est une Kabbalah pour les Neshamot. C'est les Neshamot qui sont dans les. On n'a pas un chiffre sur les millions.
Hein? Pas chez Ishmael, ça va être pour les enfants, pour les lions. Lion. Les chayot. C'est impressionnant, non, les chayot? C'est pas mal. Donc, on s'en prend. C'est pas un bar.